Hier, dans Star Academy, Noémie dans tous ses états. Persuadée d'avoir raté ses évaluations, notre jeune artiste s'attend à passer le rattrapage. Noémie, rongée par le doute, malgré le soutien de son camarade, s'évade. Les petits efforts que je fais pour elle, elle s'en rend pas trop compte. Donc je trouve que de temps en temps, elle est pas trop reconnaissante vis-à-vis de moi. Pour Noémie, tout est bien qui finit bien. Ce sont finalement Alexandra, Claudia, Dejima et Mathieu qui sont en ballotage. Parmi ces quatre étudiants, trois seront nominés, un seul sera repêché. Qui va jouer son avenir au château? La réponse, ce soir, dans Star Academy. Soyez les bienvenus, la Starac, c'est en direct et c'est pour tous. Dans quelques minutes, les étudiants vont connaître le nom des trois nominés. Ce sera la fin d'un long suspense. Et oui, après quatre jours d'évaluation, nos académiciens ont un peu les nerfs à vif. Noémie n'a plus confiance en elle. Dejima est juste en larmes. Et c'est dans cette ambiance, on ne peut plus tendue, que Raphaël Ricci va donner son premier cours d'expression scénique. Pour les étudiants, la séance d'humeur du jour va se transformer en séance expiatoire. Comment Raffi va-t-elle s'y prendre pour remotiver ses troupes? La réponse en image. Matin pluvieux et début de journée difficile pour Noémie. À peine levée, notre étudiante se voit déjà passer le rattrapage. J'ai rêvé de ça toute la nuit. Quoi ? De l'annonce des de l'annonce du nominé toute la nuit. Bon. C'était moi. Et j'ai rêvé que je faisais mes valises. Voilà, et que je me barrais. Parce que personne n'avait voté pour moi. Et après, je me suis retrouvée dans un hôtel et ma famille ne voulait plus me voir. En plus, tous mes rêves sont prémonitoires, tu vois. J'ai hyper peur de la prénomination. Il n'y a rien de sûr, mais le fait d'être prénominée, ça m'angoisse. Donc, ben... Je prie depuis hier. On verra bien. Ton visage se dessine dans les moindres détails. Non, c'est ton visage se dessine dans les moindres détails. Ton visage se dessine. Non, toi tu fais ton visage se dessine. Ton visage se dessine. Tu vois, j'y arrive plus. C'est pas ton visage se dessine, c'est pas ça, c'est ton visage se dessine. Non. C'est pas ton visage se dessine dans les... J'ai des butterflies, des papillons en pagaille. Ton visage se dessine dans les moindres détails. Casse les couilles, casse les couilles, casse les couilles. L'ambiance est un petit peu tendue, c'est certes, parce que bon, il y a le rattrapage, voilà, tout à l'heure. Donc il y a ceux qui savent déjà qu'ils y sont, donc forcément ils sont en panique, parce que forcément... C'est peut-être ou non, mais peut-être quand même le début d'une nomination. Donc c'est pas agréable et je comprends qu'ils soient tendus. Et puis il y a ceux aussi qui sont obligés de répéter dans le cas où ils seraient prénominés. 1 plus 1 plus 1 plus 1 et 1. Tu sais, je sens que je vais être nominé alors que je sens les élus de plus en plus loin. Tu sais, je... 1 plus 1 plus 1 plus 3. Moi. Je me sens un peu angoissé là, mais c'est surtout parce que j'ai mon corps qui a un peu du mal à suivre. J'ai un peu la voix dans le sac. Alors le moindre souci, on l'analyse et ça fait douter en fait. Premier cours de Raffi et grand retour de l'humeur du jour. Qui va dévoiler ses états d'âme devant tout le monde? J'ai besoin de vous connaître. Alors, j'aimerais bien avoir un petit peu l'humeur du jour. Savoir un peu comment vous vous sentez au bout d'une semaine. Alors, l'humeur du jour, ça va bien. Voilà, j'ai peut-être un petit peu peur d'être nominée tout à l'heure. Enfin, que ça se passe mal tout à l'heure, mais... Alors, c'est pas des nominations, hein, c'est au repêchage. Oui. Chaque chose en son temps. Moi, ça va pas tellement. Oui, je vois ça. Il y a des minutes où ça va super bien, et puis tout d'un coup, ça va pas du tout, je doute. Et depuis que je suis arrivée, je suis en doute permanent.
Ça va être ça tout le temps. Ouais. Et ça fera ça chez tout le monde tout le temps. Parce que vous n'êtes pas dans une config naturelle. Et c'est tout à fait normal. Ça va très bien. Je suis très positive. J'arrive pas encore à trouver une rigueur de travail. Comment travailler, quand travailler. Mais ça va venir petit à petit déjà, je le remarque. Ouais, vite, hein. Ouais. Ouais. Partez aussi du principe que n'importe qui peut partir là à la fin de la semaine. C'est clair, c'est dingue ça. C'est ne clair. Vous sentez pas à l'abri de ça. Ouais, bien sûr. Sans vous fouetter, sans vous dire évidemment, ça va être moi, j'en suis sûre et persuadée. Il faut vraiment que vous l'intégriez dans votre tête. Tejima. Moi je me sens pas très très bien en fait. Ouais, je vois ça aussi. J'ai pas envie de. J'ai très très peur de sortir, déjà, en premier. J'ai peur que ça touche mes proches. Voilà. Si je sors en premier, enfin, donc voilà, ça me fait, okay, ça me fait peur par rapport à ça. D'accord. Ben moi, je me sens raplapla là, je me sens ramollo là, j'ai pas la pêche là. Et il y a aussi, voilà, il y a aussi les évaluations là, les rattrapages qui me, ça tourne un peu dans ma tête. Donc, J'ai l'impression que les pressentis, en tout cas, au rattrapage, sont très, très angoissés. Bon, c'est normal. C'est un enjeu qui est très particulier. On attend d'eux quelque chose qu'ils ont eu l'impression de nous donner déjà. Donc, on verra ce soir. Alors, moi, il y a des gens que j'aurais envie d'entendre, donc je vais vous poser des questions. Jojima, le tristounet. Non, je vois, quand même pas. C'est peut-être bien le fait d'avoir été prénominé parce que je commence à avoir envie d'être là, quoi. Je me demande toujours ce que j'ai à donner aux gens. D'accord. Qu'est-ce que personnellement, je vais pouvoir vous apporter. Et je me dis à chaque fois, que comme je ferme les yeux, parce que moi je sais que je me fais plaisir, alors au moins que je puisse me faire plaisir quand je ferme les yeux. Parce que j'ai l'impression que les gens qui sont en face, ils ressentent pas ça. Ils vont pas le ressentir de toute manière. Si tu fermes les yeux tout le temps, non. Après, la notion de plaisir, on en parlera de toute façon, mais la notion de plaisir, il faut qu'elle se partage. Et il y a beaucoup de choses qui passent par le regard. Ce serait vraiment dommage de partir maintenant, alors que je suis pas encore. On n'est même pas encore vraiment rentré dans le vif du sujet, quoi. On commence petit à petit. Si je ressors de là dépité encore, hein, ce sera moche. Mais c'est pour ça que je suis en demande comme ça d'informations, de savoir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'en a pensé Raphaël Ricci. C'est important pour moi, c'est important. Chacun pour soi, chacun fait son beurre. Non, vas-y ta mère. Et rien ne va plus pour Dojima. Pourquoi notre étudiant ne se sent-il plus à la hauteur? Pourquoi? Non, je vais arrêter parce que... Oh là là, c'est pas possible. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Je me sens pas bien. T'es malade? Non, je suis pas malade du tout. Enfin, je me reprenne parce que... Le blues. Ah, ouais. Bon, il faut que j'aille me préparer parce que sinon je vais jamais être prêt là en plus. C'est pas bon pour la voix là ça. Je suis constamment sur la brèche là. C'est clair que la moindre hésitation, c'est un coup de stress en plus, quoi. Là, c'est parce qu'on est en répétition. Je m'autorise ce stress-là. Je me l'autoriserai pas pendant l'évaluation parce que c'est ce qui m'amène à fermer les yeux. C'est ce qui m'amène à me renfermer. Donc je le ferai pas. Il faut pas que je le fasse. Faut pas que je me laisse submerger par ça. Je suis improductif. Hein. J'ai pas réussi à les répéter. Je suis improductif. Je peux pas produire. Je peux rien sortir. Ça va être dur. Je pense que ça va être mort.
Mais ne reste pas comme ça inactif, tu sais, faut que ton corps se réveille. Faut que ton corps se réveille, que soit prêt. Hein? Concentre-toi, il ne reste pas inactif. Ouais. Hé, hey, Dejima, hein? Juste une chose à ton fait. Merci de me la rappeler. À ouvrir les yeux et à raconter ton truc. Alors là, franchement, j'ai aucune envie, quoi. Quand je suis dans cet état-là, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Il a besoin de se poser toutes ces questions, et puis après, nous, on est là quand il vient vers nous, et enfin, en tout cas, quand il vient vers moi, par exemple, moi, je suis là, et puis je l'écoute, et puis ça lui fait du bien. Il a besoin d'être rassuré, ouais. Bon, allez. Bonsoir. Alors, ça y est, tous les groupes ont passé les premières évaluations. Globalement, c'était une très bonne surprise. Tous vos professeurs ont noté votre esprit d'équipe et votre créativité. Je vais donc annoncer le dernier élève à aller en séance de rattrapage dès ce soir. Voici donc le classement du dernier groupe composé de Yaël, Alexandra, Alexia, Noémie et Jérémy. En première position, Alexia. Bravo. En changeant de registre, de chanteuse à voix, tu as réellement surpris tes professeurs. En deuxième position, Yaël. Clairement, tu développes une vraie énergie sur scène. Néanmoins, fais attention, tu as des soucis d'articulation. Ouais. En troisième position, Jérémy. Tu as séduit tes professeurs par ta composition et les arrangements musicaux de tes camarades qui t'accompagnaient. Il reste donc Noémie et Alexandra. L'une d'entre vous ira rejoindre Claudia, Dojima et Mathieu en séance de rattrapage. Alexandra, c'est toi qui es en balance. Okay. Pour tes professeurs, tu es en deçà du niveau du groupe. Tu as raté ta reprise de Jennifer qui manquait de vie dans ton interprétation. Quant à toi, Noémie, tu es très angoissée depuis ton arrivée au château. Arrête de te dévaloriser parce que tes doutes t'enlèvent de ta fraîcheur. Non, merci. Non, mais je voulais pas jouer des butterfly. Je suis hyper contente. Je suis hyper heureuse. Je suis rassurée. Je suis zen. J'arrivais même pas à lever mes fesses du canapé tellement que j'en pouvais plus. J'avais envie de pleurer, d'évacuer toute la pression. Et là, bah, c'est reparti pour 10 jours. Je suis contente. C'est moi donc. Eh oui, je pensais que j'allais partir. Hein. En plus, je te l'ai dit, mais bon, je n'écoute pas ce qu'on me dit. Je suis vraiment content pour toi. Moi, je suis content que tu m'aies aidé et que tu sois là. Ma petite Noémie chérie a réussi ses évaluations, donc voilà, c'est un point en moins. Maintenant, voilà, c'est un petit peu aussi embêtant pour les autres. C'est vrai que ça met un petit peu mal à l'aise parce qu'on ne sait jamais trop quoi leur dire et que dans ce genre de moment, bah, je suis pas sûr que le soutien, au final, bien que ce soit nécessaire, apporte quelque chose en plus, parce que c'est vraiment, on est vraiment seul face à soi-même quand on est prénominé. Je suis un peu triste, mais d'un autre côté, pas déçue, parce que moi, je suis contente de ce que j'ai fait par rapport
à mon état d'esprit et c'était pas suffisant parce que j'ai pas assez confiance en moi. Et c'est un gros problème. Surtout ici. Ça se voit. Donc voilà, il faut que j'arrête de me poser des questions. Et j'aille droit au but. C'est l'heure du face-à-face avec les profs, juste avant le rattrapage. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour Claudia. Claudia, moi j'ai un petit souci, c'est que j'ai un petit peu le même registre dans les expressions. Quoi que tu chantes, j'ai très joli, un sourire. Et j'ai un peu que ça, donc j'aimerais avoir autre chose par rapport à ce que tu dis. Oui. Voilà. Et la voix, et ce que tu donnes, ça doit évoluer. Mmh. Et des fois, faire ça, mais là chez toi on a ça. Donc voilà, un petit peu plus de ressenti sur tout ça. D'accord Claudia. D'accord. On va réviser. C'est bonne tout. Chance. C'est tout. Merci beaucoup. Merci Claudia. Beaucoup. À tout à l'heure. Bonsoir. Bonsoir. Alors, écoute Alexandra, moi j'ai exactement le même souci que j'ai eu sur le prime. Donc on en a parlé lors du débrief. C'est-à-dire que j'ai absolument rien du tout au niveau de la proposition, de l'interprétation, que ce soit dans ton regard ou au niveau de ton visage. J'ai quelque chose de très mou. Il faut que tu commences à prendre un réel plaisir quand tu chantes. Voilà. Peu importe ce qui va se passer, parce que tant que tu n'en prends pas, personne n'en reçoit. Voilà, donc ça, c'est la clé. Prends plaisir, après ça, une fausse note, une pas fausse note, ça sera plus très très grave. Tu ne peux pas faire celle qui est heureuse, il faut que tu le ressentes vraiment. Donc là, dans ce que tu vas nous présenter, il faut que tu ressentes les choses réellement. Ça veut pas dire que c'est bien. Ça veut pas dire que c'est bien. Allez, va te prendre un verre d'eau, du sucre dedans. Merci. Et tu nous reviens avec le sourire ? À tout à l'heure. À tout à l'heure. Jojima ? Oui. Viens, je t'en prie. Bonjour. Bonjour, Jojima. D'une chanson à l'autre, j'ai l'impression que c'est toujours la même chanson. Tu vois, parce que tu es très... Tu es dans ta bulle, et c'est bien d'être dans ta bulle, mais il faudrait juste que tu nous laisses entrer des fois et que tu en sortes pour venir nous rejoindre un tout petit peu. Surtout avec le sourire et les yeux que tu as. Voilà. C'est un énorme atout que tu as, hein. C'est-à-dire que ta simplicité, ton... Ben oui, c'est sympathique comme... C'est très lumineux comme garçon. C'est gentil, merci. Fais-nous passer tout ça, quoi. Bah, on va essayer, ouais. À tout à l'heure. Et il y a Mathieu. Tu peux demander à Mathieu de venir ? Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Quand tu fais la beatbox dans le micro, quand tu fais des trucs un peu rythmés, il y a une présence, il y a un groove qui disparaît complètement quand tu ne fais que chanter. Quand je fais que chanter. Tu vois ce que je veux dire ? Ça compare, alors que tu es batteur, tu joues de la batterie, tu fais des percus, d'un seul coup, il n'y avait plus le groove, le dosage de la voix était un peu sans nuance, enfin, ça redevenait électrocardiogramme un peu plat. Essaie de faire de la texture avec ça, que ça ne soit pas systématique. Amuse-toi. D'accord. Et puis c'est un vrai plaisir de travailler avec toi. C'est aussi croque. Dis-toi que cette prénomination ne sert qu'à pointer du doigt ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas. Il faut s'en servir. D'accord. Très bien. Ben, je prends tout en compte en tout cas. Merci. Merci Mathieu. Merci, à tout à l'heure. Mathieu est le premier à passer le rattrapage au programme de chansons, celle des évaluations, mais aussi un titre à poser. Rebonsoir. Posté devant la fenêtre, je regrette de n'y avoir songé. Maintenant que tu abandonnes, à la faveur de l'automne, tu redonnes à ma mélancolie des couleurs de super scorpiteur. Oh, hey, à la faveur de l'automne. Oh, à la faveur de l'automne. Merci beaucoup, merci Mathieu. Faudrait faire un petit effort pour que les choses s'améliorent. Si on veut que la terre trempe, il faut qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus, toi et moi. Ouais. Ensemble. On a bossé, hein. Ensemble.
Un puce tout le monde. Alors, moi, je suis ravie parce que ce qu'on lui a dit tout à l'heure, en tout cas, dans ma partie, ça a bien payé. Je commence à avoir le visage qui s'anime, qui propose des choses. J'ai des petites choses dans l'œil. Il y a une vraie volonté de bien faire, de s'impliquer beaucoup plus. Donc, je suis contente de voir le temps d'action-réaction et la mise en place de ce qu'on peut lui dire. Il y a un manque de groove, de niaque qu'il cherche. C'est pour ça que je pense qu'il faut qu'il reste. Mais en attendant, c'était un vrai mieux, mais musicalement, c'est pas encore ça. Merci. C'est vrai. J'étais stressé au premier morceau. Oui, mais ça va. Je tremblais quand même. C'est vrai. Et la deuxième a été nickel. Je suis impatient de connaître quand même le résultat, c'est clair. Mais en même temps, je m'attends au pire déjà. Ça, en sachant qu'on est quatre, quand il y en a un qui part, donc ça doit vraiment se jouer à rien du tout. Mais ça m'a libéré quand même. Quand je serai grande, je serai Bee Gees. Ou bien pilote Formule 1. En attendant, je me déguise. C'est vrai que tous les costumes me vont bien. Le rouge, le noir. Yeah. De toutes les couleurs, je vais en voir. C'est comme ça, qu'est-ce que j'y peux? 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 Par contre, pour la guitare. Je vais pas le faire moi, mais c'est Antoine qui va m'accompagner. Okay. J'ai trouvé, voilà, t'as trouvé une solution. Voilà. Wise girl. Je m'accroche à tes mots dans le moindre détail. Butterfly, 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 butterfly. Butterfly, 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 butterfly. Butterfly, 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 butterfly. Ooh, butterfly, 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 butterfly. Merci Claudia. Bravo. Je voulais juste vous remercier parce que vous m'avez un petit peu ouvert les yeux sur quelque chose. Et voilà. Et c'est pas grave. Juste remercier. Et c'est bien. Bien. Et c'est bien. On est là pour ça, pour faire avancer les choses. C'est bien. Merci. Merci à toi, Claudia. Claudia a-t-elle réussi à convaincre ses professeurs? Avant de le découvrir, on retrouve Alexia Laroche-Joubert en duplex depuis le château à Damary-les-Lys. Bonsoir, Alexia. Bonsoir, Nikos. Bon, vous avez délibéré. Hein, trois élèves vont être nominés. Ça se joue. Il faut dire. Alexandra, Claudia, Mathieu et Dojima, ça a été facile de trancher? Il faut dire que pour une première nomination, non, le choix n'a pas été facile. Pardon. Chacun des quatre candidats a tenu compte des remarques du Collège des professeurs, mais je peux vous dire dès maintenant que tout s'est joué entre Dojima et Claudia. D'ailleurs, je vous retrouverai dans quelques instants pour l'annonce du candidat sauvé et donc des trois nominés. Ils sont stressés, ils sont comment? C'est beaucoup de tension parce que un sauvé sur quatre, ça fait quand même porter sur leurs épaules une charge importante. Donc je sais qu'ils sont stressés, surtout qu'ils ont fait quand même leurs meilleurs efforts. Bon courage pour tout à l'heure. Merci Alexia. On vous retrouve à tout à l'heure en direct avec les étudiants pour l'annonce du nom des trois nominés. Le verdict des professeurs, ce sera juste après une courte page de publicité. À tout de suite. Nous sommes de retour, merci de nous rejoindre. Première nomination aujourd'hui au château, autant dire que nos académiciens ont la peur au ventre. Tout se joue entre Alexandra, Claudia, Dojima et Mathieu, les quatre étudiants qui sont en ballotage et parmi eux un seul repêché, trois nominés. Et pour permettre de les départager, les étudiants passent le rattrapage. Alors qui évite la nomination, à votre avis? Qui doit encore faire ses preuves? Voici la réponse avec le conseil des profs. Et juste après, on retrouvera Alexia Laroche-Joubert pour l'annonce en direct des nominés. Be the love generation.
Merci. Merci à toi, Claudia. Magali ? J'étais bien plus touchée, là. Le fait qu'elle enlève sa protection du sourire, il y a quelque chose qui passait, il y avait des intentions qui passaient, et j'aimais bien son énergie plantée dans la colère sur la première. Voilà, ça vient. Pour connaître le texte, la colère, elle n'a rien à voir là-dedans, mais bon. Je suis navrée, hein, mais... Non, mais je pense qu'effectivement, elle n'a pas bien analysé le texte. Ah, jusqu'à un mérite, elle a pris un parti pris. Moi, je m'ennuie. Je m'ennuie, je suis désolée. Il n'y a pas de colère à avoir dans Double Jeu. Il y avait même de la panique dans l'œil. Voilà, moi, j'adhère toujours pas du tout. C'est une réaction, elle a essayé de faire quelque chose, tu vois, par rapport à ce qu'on lui a dit cet après-midi. Donc là encore, elle fait des efforts louables pour avancer. Je pense qu'il y a vraiment de quoi faire avec cette jeune artiste. C'est vrai que là, pour ce prime, j'aimerais vraiment être repêchée parce qu'il y a mademoiselle Rihanna et mademoiselle Avril Lavigne qui vont être présents. Ainsi que Céline Dion, donc c'est vrai que c'est un prime où j'aimerais participer. Allez. Elle s'écrit une vie pour pouvoir tout changer. Changer dans les poèmes de Michel, les enfants des ailes pour voler. C'est quand la nuit tombe qu'ils deviennent des colons pour rêver, rêver. Alors, si on peut interpréter, oui. Ça doit être Sinclair ensemble. Mais il faudrait bien oublier nos peurs. Si on veut un monde meilleur, il faut qu'on s'y mette à plusieurs. Chacun pour soi, ça va de soi. Chacun ses bons plans, évidemment. Il faudrait faire un petit effort si on veut que les choses s'améliorent. Et si on veut que la terre tremble, il faudrait qu'on s'y mette ensemble. Ensemble. Un plus, un plus. Toi et moi, ensemble. Ensemble. Un plus, un plus, tout le monde. Bonne soirée à vous aussi. Merci. Ciao, Dima. Bon courage. Merci. Bon, je trouve qu'il y a... Alors, là, il est resté les yeux ouverts. Hein, ça hein, on est d'accord. Il y a une tentative de voilà, très bien. J'ai l'impression qu'il avait presque, tu sais, des allumettes pour les garder bien ouverts. Surtout, je garde les yeux ouverts. Surtout les yeux ouverts. Mais j'ai rien de plus. À part ça, j'ai vraiment rien de plus. On lui a reproché de ne chanter que pour lui. Là, il n'a chanté que pour nous. Mais sans comprendre de quoi il parlait. En ne pensant pas à ce qu'il chantait. Lui, il est où, là-dedans? Voilà. Lui, il est... Lui, il va falloir qu'il apprenne à doser entre le show et l'intention. Mais qu'est-ce que c'est louable. J'ai vraiment cru que j'allais pas me relever là aujourd'hui. J'ai vraiment cru que c'était fini pour les évaluations. Je partais battu d'avance et je sais pas, il y a eu un déclic. J'étais combatif. Je pensais pas que je pourrais être combatif comme ça après la journée que j'ai passée. Là, je pense que j'ai peut-être une chance. On verra, mais je pense que j'ai peut-être une chance. Les sanglots sur un répondeur, les fleurs séchées dans un glaceur, la nuit glacée qui dessine mes rêves à l'encre de Chine. Je ne suis là pour personne, ma vie m'emprisonne. Je veux des mots qui sonnent, yeah, 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 hey. Des chansons d'amour lancées sur les ondes pour faire tomber les murs du monde. Des mots qui résonnent, yeah, 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 hey. Je veux chanter l'amour chaque seconde pour qu'un jour l'amour me réponde. Des mots qui résonnent. Merci Alexandra. Et Butterfly. 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 Merci.
assommé par cette foutue bataille. Je m'accroche à tes mots dans les moindres détails. Butterfly, 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 butterfly. Ooh. Butterfly, 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 butterfly. Ah, 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 ah. Merci Alexandra. Je me suis sentie beaucoup plus à l'aise et j'ai essayé de prendre en compte ce qu'on m'a dit, tant bien que mal. Je me sentais bien dans ce que j'ai fait et après, voilà, je suis contente de ce que j'ai fait. Là, il y a un gros boulot, quoi. Il y a un gros boulot avec le temps qui est un peu difficile, là, tout de suite, comment on va faire, quoi. Moi, techniquement parlant, de mon point de vue, je suis un peu désarçonné. Enfin, je pense que c'est pas possible tel quel, là. Je vois pas trop... Moi, tout ce que j'ai envie de dire quand je la vois, c'est pauvre petit chat. Voilà. C'est pauvre petit chat qui est dépassé par les événements. Et le résultat, on le voit là, quoi. C'est pas cohérent. Et c'est un peu jeune, tout ça. C'était très très basique, c'était plutôt faux sur Butterfly. Ça fait beaucoup beaucoup de problèmes et par rapport à ses petits camarades, je reste sur ma position, elle est vraiment vraiment à la traîne. Ça va mieux? Tu veux que je dise ce que je pense? Je suis bonne, ouais, je sais. T'es trop dur avec toi-même. Ouais. T'arrêtes pas de dire oui, je suis contente de la prestation que j'ai faite, quel que soit ce que je fais, je serai contente. J'y crois pas une seule seconde. Non, si, c'est vrai. C'est vrai, mais bien sûr que j'aurais des... T'oses pas te lâcher, tu vois. T'accumules trop de tensions. Et ça se voit sur ton visage. Et tu peux comprendre que pendant un temps, je me pose la question de savoir... Oui, mais bien sûr, maintenant, bien sûr. Voilà, t'as l'air aussi d'être différente de moi, d'être plus introvertie, voilà. C'est vrai que moi, je m'en fous un petit peu. Pas avoir tous les points communs de la Terre non plus, hein. Non, déjà, bien sûr. Non, mais j'ai envie de savoir, non, mais Noémie, je suis honnêtement, j'ai envie de savoir. Parce que tu vois ce que je veux dire, moi, en tout cas, sur le plan mental et psychologique, j'aime quand même bien savoir où est-ce que j'en suis. Donc, je peux pas te dire, et c'est clair, après une semaine de cohabitation, ou alors Noémie, où en est notre couple, c'est ridicule. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de savoir, parce que j'ai certaines attentes venant de toi. Et j'y suis pour rien, une fois de plus, parce que je suis comme ça. Et tu vois, et au final, j'ai juste envie d'assumer parfaitement ce que je ressens. Et encore une fois, je sais que c'est pas ton cas, mais putain de bordel de merde, il pourrait y avoir 30 millions de personnes autour de moi, mais je serais l'homme le plus fier du monde de dire devant tout le monde que voilà, que je te kiffe. Ça me gêne pas, parce que je l'assume, parce que j'ai pas de honte vis-à-vis de ça. Parce qu'il y a rien de gênant pour moi. Qui seront les trois académiciens nominés? C'est maintenant aux professeurs de délibérer. Alors, je fais un petit point de ce qui m'est apparu, mais je pense que ce sera redondant à ce que vous avez dit. Mais clairement, il y avait une volonté de bien faire, ce qui est déjà pas mal quand même. Tout à fait. Après, c'est plus ou moins hasardeux. Ah oui, c'est... Ça, oui. Voilà. C'était Claudia la première. Non, oui, non Mathieu. C'est Mathieu. Mathieu. Moi, je suis convaincue que j'ai envie de continuer à travailler avec lui, en tout cas. Moi aussi, voilà. On a envie. On reste encore un peu dans le vague, on reste encore éparpillé et puis voilà, c'est loin d'être au point. Hein. Il y avait qui d'autre? Et après on fera le point sur Claudia. Moi j'ai quand même été touchée, c'est-à-dire que oui, à côté du texte, oui, too much dans l'effet contraire de ce qu'elle faisait, mais elle a une voix, elle a quelque chose qui me touche. Effectivement, moi je reste sur ma position que Claudia était dans l'excès inverse. Mais je reste aussi persuadé que c'est des quatre celle qui a essayé le plus de coller à ce qu'on lui a dit, comme remarque et comme reproche. Et c'est celle qui a osé le plus de choses, je trouve, pour moi, en matière musicale. Je ne parle pas en termes d'interprétation. Mais j'ai marqué une jolie voix et un joli timbre, hein, quand même. Moi, pour moi, il n'y a rien du tout, dans le sens où elle a juste une émotion dans la voix. Chose qui ne me touche pas, moi, de mon côté. Oui, mais je me dis bien quelle est l'émotion, bien qu'elle est... Enfin, je te dis, vraiment, c'est rare d'avoir quand même dans une jeune artiste, hein, à la fois de l'énergie,
et à la fois de l'émotion. Je me dis peut-être que si on lui explique bien ce qu'elle chante, oui, et comment. Ça vaut le coup d'essayer. Moi, je pense qu'un peu. Enfin, moi, je trouve ça vaut le coup de s'acharner un tout petit peu, tu vois. Bien sûr. Qu'on arrive au moins à surprendre Rafi. Je veux dire, ouais. C'est Rafi qui va bosser le plus là-dessus. Mais je veux dire, mais avec plaisir, moi j'aime bien relever un peu là. Là pour moi, c'est vraiment un challenge. On parle de Dejima parce que. Alors, comment tu veux parler de Dejima? Mais je pense que tu sais, ça fait vraiment. Alors, un, on m'a dit d'ouvrir les yeux. Oui. Deux, de mettre de l'énergie, de vous embarquer. Et trois, d'avoir de, tu vois, de pas être. Voilà. Et puis là, Michel, en fait, t'as eu un trois temps. Moi, je suis sûre qu'il a perdu tous ses repères. Tu t'habitues de chanter d'une certaine façon. Oui. Dès que tu changes un truc physiquement, tu perds tout. Et parce qu'il chante 10 fois mieux que ça. Il chante 10 fois mieux que ce qu'il a chanté ce soir. Oui, mais bon, une fois de plus, moi, j'ai envie de continuer à l'aider parce qu'il est vraiment motivant, quoi. Il a donne envie. Alexandra. Pas de phrasé. Faux. Hyper basique. Hyper tout. Les chorés avec les petits doigts comme ça, c'est l'archétype de ce que tu vois à 2h du matin dans un karaoké. Karaoké, ça n'a pas changé. Et ben moi, je pense qu'Alexandra, elle n'a tout simplement pas, de toute façon, les nerfs pour tenir là. Comme vous le savez, donc il y a, comme d'habitude, 3 nominés, donc c'est-à-dire qu'on en sauve un. Moi, je sauve Jojima. Moi, je vais sauver Claudia. Je vais sauver Claudia. Je sauve Claudia aussi. Et moi aussi. Bon, bah alors c'est Claudia. Donc, sont nominés Dejima, Mathieu et Alexandra. Ok. Ah, bonsoir. Comment ? Bon, j'imagine bien que vous attendez le résultat de cette séance de rattrapage avec pas mal de tension, tout de même. Vous avez donc été 4 candidats à les repasser, Dejima, Claudia, Mathieu et Alexandra. Malheureusement, vos professeurs ne pouvaient n'en sauver qu'un. Je vais donc annoncer le premier nominé, Mathieu, c'est toi. Malgré tes efforts pour groover et exister en solo, tes professeurs pensent que tu as encore besoin de travailler. Alexandra, tu es la deuxième nominée. Écoute, tu n'arrives pas à t'échapper de cette tristesse qui te paralyse. Le choix de repêcher un des candidats, c'est donc joué entre vous deux, toi Dejima et toi Claudia. Dejima, tes professeurs sont tous unanimes pour souligner l'originalité de ton timbre. Tu as écouté leurs remarques au pied de la lettre, limite trop, jusqu'à en perdre un petit peu ton naturel. Quant à toi, Claudia, ta proposition sur double jeu et Butterfly était à côté du texte. Néanmoins, elle avait le mérite d'être sobre et de mettre en avant ta sensibilité. Donc le choix n'a pas été facile. C'est donc toi, Claudia, qui est sauvée. Dejima, je suis désolée, tu rejoins Mathieu et Alexandra sur le siège des nominés. Courage. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Félicitations. J'étais à côté du texte. T'inquiète pas, pense pas à ça maintenant. Ouais. Ok. Oh la vache, c'est, à l'intérieur c'est. Oh là là, c'est affreux. Non, faut pas. Bah, dire c'est ça. Obligatoire, hein, t'inquiète pas. Hein. C'est comme ça, c'est tout. C'est le jeu. On va voir. On a signé pour. Voilà, Dejima, Alexandra, Mathieu, ça se précise. La pression monte au château. Ce sont les 3 premiers nominés de cette 7e saison. Ils ont 3 jours pour vous convaincre. Vous pouvez dès maintenant soutenir votre candidat préféré, soit par téléphone au 3980, pour Dejima, taper 1, pour Alexandra, taper 2 et pour Mathieu, taper 3, soit par SMS en envoyant 1, 2, 3 au 72 500. La suite de la Starac, c'est demain. Vous verrez que Noémie est toujours à fleur de peau et avec ses vannes, rien ne va plus. À demain. Salut.